Bonjour et bienvenue à tous, bonjour et bienvenue sur la Gata TV, je vous dis bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un petit moment de pause, et oui j'avais plein de trucs à gérer, bref, IRL, du coup j'ai mis un peu en stand-by la Gata TV, mais le droïde geek a assuré l'affaire avec son jeu Temtem, on va le retrouver très rapidement et très prochainement sur la Gata TV, sur ce grand titre qui va être prochainement disponible sur l'ensemble des supports, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit jeu tranquille, j'ai décidé de reprendre tranquillement les jeux, et on va se consacrer aujourd'hui à Lumini qui est disponible sur Nintendo Switch depuis le 24 janvier 2020. Voilà, on va poser les bases ensemble après. Le jeu est édité par Two Awesome Studio, développé par Spielberg et Two Awesome Studio. Voilà, pour poser les bases au niveau du jeu, disparu sans laisser de traces depuis plusieurs milliers d'années, une race de créatures innocentes connue sous le nom de Lumini est de retour dans son monde natal. Malheureusement, le temps a fait ses ravages et l'équilibre de la planète a changé, transformant un environnement autrefois hospitalier en un paysage hostile. Seuls les Lumini sont capables de restaurer l'équilibre et de faire revivre leur race endormie depuis longtemps, avant de s'adapter au nouvel environnement pour préserver l'avenir des générations futures. Explorer le monde des Lumini dans un jeu d'aventure relaxant en surmontant les obstacles. Je n'irai pas plus loin pour poser les bases, vous avez compris, c'est un peu le même délire que Unravel ou d'autres titres qui étaient sortis sur PS4, donc aujourd'hui épisode détente, pas trop critique, je vais pas trop parler non plus, je vais vous laisser apprécier l'atmosphère de ce jeu. Sinon, au niveau du reste, le jeu fait environ 920 MO une fois installé sur ma Nintendo Switch. Au niveau des langues, on a l'anglais, l'allemand, etc., etc. Le français est inclus, donc tant mieux pour nous. On peut y jouer avec les Joy-Con et le Pro Controller, donc impeccable de ce côté-là. Il n'y a rien à dire. Il est aussi disponible hein, sur PS4, Xbox One, PC, Linux, macOS et tralala depuis le 3 septembre 2015, d'après mes informations. Alors, c'est parti. Niveau critique, ça va être tranquille, donc là on peut déjà le voir au niveau de l'intro, hein. Un petit peu d'aliasing, mais attention, c'est un jeu indé, donc le jeu est disponible sur le store à partir de 10 € 9,99 €, donc n'hésitez pas, moi personnellement je l'ai pris, j'ai été conquis, je vous le dis direct. La bande son est tout simplement magnifique, et je vais vous laisser un petit peu plus d'audio que d'habitude, et je vais abaisser un petit peu ma voix. Donc on se retrouve en ce dimanche sur Lumini, sur Nintendo Switch, un jeu relaxant. On repart de plus belle. Petite cinématique d'intro qui pose la base. Et voilà, on a notre premier Lumini qui est arrivé, tout joli. Donc là, pour le moment, au niveau des contrôles, je suis avec le joystick du côté gauche et ce qui me permet de contrôler mon Lumini. Là, je vais explorer, je fais un peu de récolte. Là, j'ai un bouton d'action. Ok, là, je peux pas pour l'instant. J'y reviendrai après. Hop. Là, je vais récolter et je vais récupérer des collègues. Voilà. Et voilà, j'ai mon deuxième. Enfin, j'ai plusieurs Lumini qui sont là. Donc là, ce qui va me permettre, vous voyez, avec R, d'envoyer un Lumini. Ah, voilà. Et d'avoir une action. On va essayer de les regrouper ensemble. Voilà. Donc, jeu très facile à prendre en main. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors évidemment au début tout est joli, tout est beau, et au fur et à mesure de l'aventure ça se complexifie. Donc là on est parti pour une petite découverte d'environ une dizaine de minutes sur Lumini. Alors moi ces jeux-là j'adore. Il y avait un jeu sur PS4, je me rappelle plus, c'était une feuille qu'on envoyait dans le vent, et il fallait récolter d'autres feuilles aussi. Enfin des pétales, c'était des pétales à l'époque. Donc super bien, il y a Unravel aussi que j'aime beaucoup sur PS4, et il y a le titre aussi, le 2 qui est sorti sur Switch, où on a un petit bonhomme de coton avec un fil et on a sa collègue en rouge. Donc côté maniabilité, il n'y a rien à dire. Bon, ça se laisse jouer. Au début, c'est un petit peu dur, mais voilà, hein, les joysticks font très bien le taf sur ce jeu. Donc c'est un jeu indépendant, on va pas être trop critique, attention. C'est pas un jeu que j'ai payé 70 balles, on revient toujours sur les mêmes bases. Mais voilà, il est magnifique. On a vu un peu d'aliasing au début, mais voilà, c'est pas non plus.
J'ai eu quelques baisses de framerate aussi pendant ce que j'ai essayé d'y jouer un petit peu avant, histoire de me poser sur le jeu. Donc là, ça c'est des ennemis à ne pas aller voir, parce que sinon on perd un Lumini. Faut pas suivre l'aventure entièrement si on en perd un. Qu'on fait attention. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est devenu hostile. Faut faire très très attention. Là on farm, ce qui va nous permettre de récupérer des Lumini après. Voilà, donc on a des petites actions à faire. Et voilà. Donc super sympathique à jouer, très relaxant, très détente. Ça veut beaucoup de traits, mais voilà. Oups, là on va faire attention, on va essayer de ne pas en perdre. Là, j'en ai un là, mais je sais pas. Là, il va falloir que j'en envoie un autre là. Voilà, donc là avec l'autre bouton. Non, je peux pas, si, non, je peux pas. Si pourtant je pouvais là. Voilà. Pas ce que j'ai fait tout à l'heure, je me suis trompé. Ce n'est pas grave. Et voilà, j'ai récupéré une gemme. Ce qui va certainement me servir pour la suite de l'aventure. Donc je vais essayer de pas perdre de Lumini comme tout à l'heure, parce que tout à l'heure j'en ai perdu. Comme je connaissais pas l'histoire. J'ai fait un peu n'importe quoi. Là, je suis passé par là. Ce qui est bien, c'est qu'on peut séparer les groupes pour pouvoir faire différentes actions, donc très intéressant. Et au fur et à mesure, on va apprendre des compétences aussi. Fais attention, je crois que c'est là que j'avais perdu mes Lumini. Et voilà. Donc là, la récolte. Et on récupère des Lumini. Donc là, on a un vrai grand groupe. Super intéressant. Vous voyez, hop. C'est super kawaii. Ça se laisse jouer vraiment tranquillement. Par contre, je vais essayer de pas en perdre, mais ça va devenir très très complexe tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. J'ai pas réfléchi à une tactique d'approche par rapport à ça. Mais je me laisse vraiment emporter par le design. Vous voyez bien, hein, les Lumini, là, ils sont là. C'est super kawaii. L'environnement est aussi joli graphiquement. Le sound design, il est posé sur le jeu. On sent la recherche, hein, au niveau du sound design. Il n'y a rien à dire. Donc là, voilà. Il y a un truc là-haut. Hop. Donc là, vous avez vu, baisse de framerate. Plusieurs actions. Donc c'est vraiment dommage. Après, est-ce que le même problème intervient sur... Ah, par contre là ils vont me tuer mes Lumini, c'est pas ce que je cherche. Je vais essayer de... Ah. Je peux séparer les groupes, mais... Ah, ah oui d'accord. Ah bah y a, j'en ai un qui est mort. Vous voyez c'est super dur, mais là je peux pas le récupérer. A voir si sur PS4 on a les mêmes problèmes ou si ça vient vraiment de la Switch. Là je pourrais pas vous dire, je l'ai pas testé sur PS4. Donc là, on va splitter le groupe en deux. Et là, c'est très très dur parce que du coup, il faut hop, faire les mêmes actions ensemble. Voilà. Donc c'est une bonne. Il faut être bien synchro. Donc là, j'ai Y. Allez, viens par là, toi. Et voilà. Donc tranquille. Vous voyez, c'est super agréable de jouer. Moi personnellement pareil, hein. Des titres comme ça, on pose son casque sur les oreilles ou ses intras dans les oreilles pour profiter pleinement de la bande son. Ça c'est un jeu où t'es dans ton lit, tu veux te poser le soir, voilà, tu te poses, tu joues. Ça manque pas beaucoup de réflexion. Et puis bah la musique, voilà, elle te détend. Donc là on va essayer de pas en perdre, voilà, nickel. Toute l'aventure est à faire comme ça, donc là. J'ai un truc, mais je crois que c'était lié à quoi? Donc là, on a un truc. Voilà. Donc là, avec ZR, j'ai pu exploser la barrière et progresser. Donc là, vous avez vu, j'ai changé le personnage principal.
Non, je suis en bleu. Là, je vais farmer un petit peu. Et voilà. Vous entendez la bande son derrière? Elle est magnifique. Le titre comme ça fait un peu penser à Avatar, dans le monde un peu féerique, utopique. Oula. Ça c'est fait. Voilà, toujours avec ZR, j'ai explosé la barrière. Hop. Très entraînante la musique, moi j'adore. Clem, on a bouffé pas mal, dommage. Donc là voilà, on avait un monstre qu'on a du mal à garder nos luminis, c'est vraiment dommage. Mais on va en récupérer d'autres tout le long de l'aventure. Le tout c'est d'être au moins deux pour pouvoir faire les actions. Donc ouais, grosse perte de luminis, j'en ai perdu 3 là. C'est vraiment dommage. C'est le jeu. Là, deux chemins. Un autre gemme. Voilà. Nickel. Voilà pour le test de Lumini sur la Gata TV. J'ai pas grand chose à vous dire à part que si vous avez aimé ce let's play découverte relaxant sur Lumini, prenez-le. Il est actuellement à 9,99€ sur l'eShop, sur Nintendo Switch. Là, je joue encore sur Switch. Donc, on a vu un peu d'aliasing, un peu de baisse de framerate, donc baisse de FPS. Mais sinon, à part ça, sound design, jouabilité, maniabilité, les graphismes sont jolis. Il faut pas oublier qu'on n'a pas dépensé 60 ou 70 balles, mais seulement 10 balles pour un jeu indépendant. Super beau, super kawaii. Donc, moi, personnellement, le Droidtech, je vous le recommande. Voilà, je ne dirai pas plus sur ce jeu à part prenez-le si vous avez aimé. Je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.